Ok, alors vidéo très particulière aujourd'hui. J'ai commencé à faire les enregistrements des épisodes de Dark Souls 2. Vous imaginez pas à quel point c'est un plaisir de me revoir souffrir encore et encore. Mais enfin, plus sérieusement, nous sommes donc ici, vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, je vais faire toutes les quêtes optionnelles, toutes les zones optionnelles en fait que je n'ai pas faites, que je ne vous ai pas montrées. Il y en a quelques-uns par exemple que je vous ai fait en fait. Je pense notamment à la cathédrale bleue et le purgatoire des morts vivants avec le boss en chariot là. Donc là j'ai vu qu'il y avait, je me suis renseigné vite fait, j'ai vu qu'il y avait plein de petites zones qui permettaient de faire un boss ou deux. Et justement là on va commencer donc avec le beffroi de la lune si je me trompe pas. Pour accéder au beffroi de la lune il faut donc aller arriver à la forteresse oubliée dans le quartier des serviteurs. Utiliser la pierre de saut de Pharos juste en dessous, comme ceci. C'est censé avoir activé un truc quelque part, voilà. Et voilà. Le beffroi de la lune. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais passé ici justement, on avait vu plein de petites gargouilles. C'est lié à ça. Bonjour. Ah mais c'est encore toi l'espèce de fou là. Vous voulez protéger cette cloche vraiment? Pour la prince et le princesse jusqu'à la fin des temps, c'est bien vrai? Non. Ah mais je crois que je l'ai déjà... Mais attends mais je... Imbécile, saleté de mort vivant. Vivant et vite ou je vais décaver le propre et net. Mais merde, mais je suis sûr de l'avoir déjà vu. J'ai un bug dans la matrice, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis persuadé de l'avoir déjà vu. Celui-là. J'en suis pratiquement sûr. Enfin. Le beffroi de la lune. Tac, oulalalala. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sais qu'il faut pas taper les plus petits que soi, mais il a cherché. Pièce rouillée. Super. C'est quoi? C'est le peuple des nains, ça? Tiens, il y a quelqu'un à invoquer. Glencourt l'errant. Eh ben viens, Glencourt l'errant. Je t'en prie. Contre les gargouilles, ça va pas être du luxe, à mon avis, je pense. Voilà. Bien spécial. Oh là 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 là. Ce marteau, ça fait plusieurs jours que j'ai pas rejoué. J'ai fait une grosse pause et je me suis dit on va peut-être se calmer parce qu'au bout d'un moment j'ai cru que j'allais péter un plomb. Alors attends, là ça je crois que c'est les boss. Ah mais non on peut pas, c'est fermé à clé. Boss droit devant, bah ouais. À mon avis il doit y avoir un truc pour ouvrir au-dessus. C'est pas une très grande zone donc ça sera une vidéo très rapide. Je pense faire au moins deux zones par vidéo, au moins. Oh putain. Voilà. Bon allez hop, on tire ça. Et ça ouvre la porte en dessous. Ah, ça oui, la cloche. Ça fait sonner la cloche du coup. Est-ce que ça a ouvert la porte? Voilà, maintenant qu'on est descendu, on a la porte qui est ouverte. J'attends que Glencourt parce que je veux qu'il rentre rapidement dès que je suis rentré. C'est bon, on peut y aller. Ce sont des zones optionnelles, hein. Il n'y a vraiment aucune obligation. Voilà, bon en plus voilà, il n'y a rien de difficile. Solaire me manque dans ces moments. C'est la première fois que je l'avais invoqué. Voilà. Le problème c'est qu'il y en a deux qui pop et dès qu'il y en a un, il y en a un autre qui arrive. Hop là. Alors j'avoue que là, un allié c'est pas de refus quand même là. Hop là. C'est assez difficile, on va pas se mentir. Ah, état critique du marteau, objet brisé. Il fait plus de dégâts. Maintenant j'ai plus que l'épée. Il m'aura bien servi.
Pourquoi tu es... Oh ! Voilà, merci. Ah, il crache encore du feu, hein, les saloperies. Putain, des gargouilles qui crachent du feu. Mais prends tes coups et fous-moi la paix. Voilà. Bravo à toi, Glencourt, t'as été un très bon tank. 18 000 âmes quand même, hein. C'est pas dégueulasse, hein. 18 000 âmes. Et en plus de ça, donc on est supposé avoir quelques trucs, si je me trompe pas, on est supposé avoir des objets, non? Là, tiens, regardez, on a déjà un truc. L'âme de noble chevalier, ouais, bien intéressant. Maintenant, là, je suis niveau 125. 125. J'ai fait 125 améliorations, j'ai eu 125 points. Ça ne veut, mais alors, mais plus rien à dire. Alors... Ah, il y a un feu à l'autre bout. Anneau du rituel du sud. Ajoute des emplacements de sorts. Oh. Intéressant. Ok, très bien. Ok. Bon ben voilà, voilà, j'ai un autre feu et ben c'est bon pour cette zone optionnelle. On se retrouve donc maintenant pour le beffroi du soleil. Ok, alors donc voilà, la zone du beffroi du soleil. C'est donc dans la forteresse de fer, j'avais déjà bloqué avec le saut de Pharos justement. C'était exactement ce que j'avais fait, et hop là, à partir d'ici en fait je suis pas allé plus loin, parce qu'il y avait une zone il me semble, et je savais pas où aller. Je savais pas où aller, et je me suis dit non c'était par là, et effectivement ce n'était pas par là. Qu'est-ce que... Ah mais il est là lui! Ben voilà, d'accord, donc c'est comme ça que j'ai rencontré. Je me disais bien que je l'avais déjà connu. Voilà, donc oui, voilà, vous voulez protéger la cloche de machin, oui, oui. Imbécile, saleté de mort-vivant, du vent et vite, c'est ça, on leur dira. Ah par contre j'ai pas d'invocation donc s'il y a un boss je suis... Oula. Y'a pas de stab par contre. C'est un petit peu embêtant. Il y a des balistes. Bah là y'a deux personnes sur le chemin. Je peux pas le déplacer ? Je veux juste le tourner un petit peu plus là sur le côté. Ouais, non, non, ça le. Ça va tout droit. Tant pis. Bouclier de garde-cloche. Ah, tiens, regardez. Adèle, le bretteur errant. Mais encore toi. Non, c'est pas les... c'est pas le même errant, je crois. C'est pas le même type de d'errance. Normalement. Monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je crois que c'est pas le même, c'est pas le même errant, je pense. Là, comme ça, le nom me dit rien. Par contre, au niveau des âmes, je ne risque pas de gaspiller parce que il me faut 20 000 âmes pour pouvoir passer d'un niveau actuellement. Donc voilà, autant vous dire que je suis plutôt large. Voilà, tu te calmes, Gertrude. Ils me font plus de dégâts. C'est affreux à quel point ces zones optionnelles, en fait, je... je leur roule dessus. En sens du simple esprit. Alors par contre, il y a deux trucs... Là il y a une échelle, là il y a un levier, il sert à quoi ce levier? Il sonne une cloche. Donc je crois que ça a ouvert la porte qui était là-bas, là, la zone de grillagé à laquelle on n'avait pas accès. On va monter là. Qu'est-ce que nous avons ici? On a peut-être un autre accès, non? Ah voilà, le toit. Avec le monsieur... Oh! Un autre mec avec les doubles arbalètes. Voilà. C'est bien compliqué, on loot rien sur eux, d'accord. Et je sais pas à quoi a servi la cloche. Définitivement, je... Il y avait peut-être un grillage sur ce truc là. Je
sais pas du tout, qu'est-ce que... Je sais pas. Ne me demandez pas, j'en ai absolument aucune foutue idée. Par contre, fais quelque chose toi là-bas, Sokoya. Bah écoute, je te laisse. Moi, je vais faire cela. Wow, 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 wow. Tu te calmes. Voilà. Non, mais... Alors, il y a peut-être un truc qui me bloquait, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va pouvoir donc accéder au... à l'autre boss. Tiens, il y a un autre truc à ramasser, là. Et là, j'ai vu un autre truc à ramasser aussi. Oui, là. Encore un bouclier de la garde cloche. La garde cloche. Alors... Le spectre d'Eden le Bretelleran est retourné dans son monde. Mais quel bâtard! Pile où j'en rentre! Mais... Enfoiré! Bon, c'est pas grave. Immolation. C'est pas trop difficile, il faut juste que je me concentre. Je sais pas sur quoi je vais tomber, de toute façon. Bastille de serpent trinoculaire, effigie humaine. Ça, c'est bien, les effigies. M'en faut. Ouais, ben, j'en ai combien, hein? J'en ai 9, ça va, je suis redevenu assez large. Et certains passages avec certains boss, putain... Pourtant, reste de fer, quoi? Donc du coup voilà, ça sera tout donc pour ça sera donc tout pour le Beffroi du Soleil. Voilà. On passe à la suite, la tombe des saints. Ok, donc la tombe des saints, je sais pas si vous vous rappelez, on pouvait justement y accéder uniquement de par le fameux trou là qu'il y avait au centre de Majula. Je l'avais déjà atteint très très tôt dans le jeu pour faire en sorte de débloquer le feu, mais là vous le voyez, il y a aussi justement les fameuses échelles. Donc voilà, si vous faites le jeu un jour, autant attendre les échelles, vous chopez l'anneau. Qui coûte 12 000 âmes, qui permet de réduire les dégâts de chute. Et on va donc pouvoir faire enfin cette zone. C'est une très courte zone là aussi. Ouais. Et donc nous y voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des rats! Putain! Ah, il me transforme en pierre! D'accord. Immonde saloperie. Bon, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce. Là, il y a un monsieur. Un saut de pharos. Alors que le saut de pharos, je sais pas ce que ça a ouvert. J'ai rien vu, donc je crois que ça a ouvert un truc dans le... avant. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. On peut faire le boss. Alors j'ai personne à invoquer, donc j'espère que c'est pas trop chaud. C'est parti. Ah, c'est pas un boss? Si, il y a de musique. Je crois que c'est pas vraiment un boss, c'est plus la congrégation des rats, quoi. Attends, voilà, on va faire comme avec les araignées. Les indérisables, les indésirables, pardon. On les écrase. Avec une grosse tapette. Ah, avant-garde du roi rat qui vient d'apparaître là. Ah, mais c'est eux l'avant-garde, d'accord. En gros, ouais, c'est. Aïe 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 aïe. On va se calmer, on va se calmer. 2 secondes. Pour la pétrification. Putain, je crois que j'ai un anneau qui pourrait être pas mal. Oh putain, regarde devant toi, vraiment. Merci. Ok, très bien, tac, on revient par là-bas.
Je vais attendre tranquillement de descendre le truc de pétrification. Là, je m'étais pris encore un coup, là, quand le truc était à fond, j'étais mort. Bon, ça va, rien de bien difficile, en fait. Une fois que vous avez toutes les armes... Vous êtes pas censé galérer, je pense. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà, je pense qu'il faut que j'arrête de viser. Voilà. Faut que j'arrête de préviser un rat en particulier. De toute façon, le truc il attaque tout droit donc. Putain! Il m'a changé en pierre. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais mettre un anneau qui ralentit la pétrification et on bute tout ça. Voilà. Voilà. Là. Et putain. Oh, vraiment. Mais... Ah, il y en a qui sont plus résistants que d'autres, je crois. Ah, mais c'est... D'accord. Il y a leur pote, là. C'est lui, là, le boss. D'accord. Il y avait un rat parmi eux avec une crête, et c'était lui, le boss. Putain. L'âme de l'avant-garde du roi des machins. Et c'est lui qui m'empoisonnait. Putain, la vache. Ok, c'était pour ça. Il sortait pas, en fait, avant que quelques-uns des rats sortent, se fassent buter, en fait. Putain de merde. Et du coup, ouais, voilà, il fallait deviner où était ce rat et lui faire tous les dégâts qu'il y avait avec. Oh la vache, quel enfer, quoi. Là. Géant squelette. Bah écoute. Ah, voilà, et on a accès au centre du truc. Le pierre de saut de Pharos va crever, putain. Je peux donner ça. Alors là, il faut... Oula, on va essayer de faire gaffe. Alors, rien de bien difficile pour le moment. Je sais pas quelle est la salle où on est là. Je ne la reconnais pas du tout. Hop là. Ah oui, c'est la salle qui est, oui. Oui. Pierre de saignement.